Le bureau de la coordination départementale du MONO de la coalition ASU, entendez, artisans solidaires et unis, est officiellement installé ce vendredi 29 avril 2022 à Lokossa. Une cérémonie qui a drainé un nombre impressionnant d'artisans venus des 6 communes du MONO. L'artisanat est le deuxième corps social pourvoyeur d'emploi. Il contribue à 14% du produit intérieur brut. Le secteur de l'artisanat forme des jeunes et des femmes, ce qui leur permet de s'auto-employer. Nous avons 175 métiers regroupés en 40 corps de métiers et en 8 branches d'activité. À la tête de cette équipe composée de 9 membres se trouve une femme forte et de conviction. La coalition ASU se veut être le plus grand regroupement des artisans du Bénin. Mais pour y parvenir, ce bureau aura essentiellement pour mission d'organiser le secteur de l'artisanat au niveau du département du MONO. ASU, comme nous n'entendons rien, n'est rien d'autre qu'un projet d'union nationale des artisans du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, sans distinction de religion et d'ethnie, qui reconnaissent la pertinence des réformes du chef de l'État pour le secteur de l'artisanat. Chers artisans du MONO, notre ASU est engagé à 100% aux côtés du chef de l'État pour assurer le développement du secteur de l'artisanat. Les guerres de leadership, les divisions n'apporteront rien de bon à notre secteur. Nous savons que le chef de l'État, Patrice Talon, fait beaucoup pour les artisans. Ce qu'on contient, le PAG 1 et 2 pour et en faveur des artisans est si important qu'il faut que vous soyez ensemble pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. La coalition ASU soutient le chef de l'État Patrice Talon et nourrit une grande admiration face aux différentes réformes opérées dans le secteur de l'artisanat par le gouvernement. Je nous souhaite d'être plus unis, solidaires et prêts pour remporter les prochaines élections consulaires qui s'annoncent afin d'impulser une nouvelle dynamique, ce gage pour garantir une meilleure professionnalisation de nos métiers. Pour la circonstance, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, l'honorable Dakwe Sossou, assisté de ses collègues Eric Guidi et Léon Adin Wessou, exprime sa fierté. Une étonnante surprise d'avoir choisi en premier lieu dans votre coalition une femme. Vous avez vu juste dans le monde. Et c'est ce qui nous caractérise. Nous faisons toujours les choses autrement. Et mieux que quiconque. Si déjà on peut parler de Pâche, si déjà on peut parler de ce que un artisan peut désormais aller à la retraite, quoi de meilleur? Si on peut dire qu'un artisan demain peut aller à l'hôpital et se faire soigner gratuitement. Gratuitement. Mais avant tout ça, il faut adhérer. Et c'est ASU qui est la meilleure coalition. Par cet acte, la coalition ASU vient de poser ses balises dans le département du MONO pour un monde artisanal plus fort et plus uni.